cas, annonce exclusive, j'ouvre ma chaîne YouTube très très prochainement, donc restez branchés. Je vais vous mettre tous les liens, tous les trucs ici. Ça arrive très très fort, il y a du contenu incroyable qui va arriver. Ça va être génial, restez branchés. Wow. Oh, mais quelle surprise, bonjour. Je veux bien de l'eau. Oh, il y a un corbillard devant. Il y a un funérarium. Oh oui, dalle, putain. Sympa la vue. Mathis, s'il y a quelqu'un pour toi. Centaure. Ça va ou quoi? Bonjour Centaure, comment allez-vous? Hey, équipe. Le mec est sec, hein. Ah frère. Par contre, il y a un bouchon doré qui vient de tomber là. Ah, c'est mieux. Ok. Et le monstre qui est encore dans sa grotte. le petit monstre. Tiens, ça va, Emily. Ok, qu'est-ce qui nous sort? Ouais. Matinale. Magnésium. Ok. Zinc. Dermatant. Wow. Vitamine. Non, ça c'est pour le soir. Ça c'est le soir. C'est déjà... Mais tu dois même plus avoir faim d'avoir mangé tout ça là. En vrai, je suis un gros mytho parce que je prends pas tous les matins. Mais ça m'arrive d'en prendre de temps en temps. Mais là, je vais pour la vidéo. Par contre, vas-y, lâche-toi. Avec ça. T'as acheté ici? Ouais. Je suis dans la formation dessus. Ma foi. À côté du funérarium. Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est dingue. Bien. Mon prochain adversaire. Viens voir. Ok, il nous fait une Doumbé là. En face de chez toi. Il nous fait une Doumbé. T'habites à Harlem? Ah bon frérot, est-ce c'est la rue. Est-ce que tu es au courant d'une chose? Dis-moi donc. C'est que t'habites dans la ville d'Asaproki. Ah ouais. Et qui est le meilleur rappeur actuel. Je précise bien actuel. C'est probable. Je comptais oublier Fatal Bazooka gros. Putain, c'est vrai. Merci ma puce. Purée, mais c'est donc ça être marié que ta femme te passe un café, mais... Mais à ouais. Côté de quoi je passe, sérieusement? Gros, c'est important d'avoir une femme capable, comme putain, on dit. Moi j'ai que des gros Renoir dans ma coloc là, et aucune femme, rien. La montagne. Il y a peut-être moyen que tu leur demandes un petit café. Ça y est. Vas-y, dis-nous quoi le programme. On va aller courir avec nos colocs et ma petite femme si elle a envie. Chérie, tu veux venir courir avec nous? Ou pas, ce matin? Non, bon, bah écoute. Non, mais attendez, les gars, on va courir avec les colocs. Ouais. Ensuite, on va aller s'entraîner à la salle, work, train, fight. Ensuite, il y a une petite interview normalement qui devrait se faire. Ouais, avec ouais. Le petit ouais. Beau là. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. Ouais. Et l'après-midi, tu vas entraîner là. Ouais, après, j'ai des coachings ouais, cet après-midi, c'est ça. Ok, carré. Vas-y, bah je pense qu'on essaiera de manger ensemble ce midi. Ouais. Dis-nous. Où je te suis pour courir quand même, parce que c'est pas anodin. Les gars, on va courir à Central Park, évidemment. Je suis à 10 minutes de Central Park là, à pied. Ah, c'est bien. Et quoi de mieux que se faire un petit réveil musculaire dans le parc le plus connu du monde, hein, je pense. Le parc le plus central quoi, du monde. Et puis un petit room tour. Donc ça, c'est le salon, la pièce de vie générale. Okay. Avec nos deux colocs belges, je vous présente Antoine. Salut. Antoine, ma grande frite. Il a des pantalons, ouais. Et Amy, sa Jules-Cinée. Ok, let's go. Et enfin, voilà ma petite femme d'amour. Wow. Avec qui je suis récemment marié depuis le mois de juillet. Mais non, félicitations. Voilà. Trop bien. Donc on a une petite cuisine bien sympathique, ma foi. Il y a la vaisselle qui est faite. La vaisselle n'est pas faite. Est-ce que c'est la cuisine seulement là? Ouais, c'est la cuisine. Est-ce que les femmes cuisinent? Les femmes cuisinent, et très bien d'ailleurs, okay. Vois-tu. De toute façon, les femmes cuisinent autant que les hommes, parce que ici, il n'y a pas de. Non, il y a une répartition des tâches, effectivement. Il n'y a pas de misogynie, je sais pas quoi là. Tu veux vraiment qu'on fasse une petite répartition des tâches, sinon peut-être. Voilà le frigo, hein. Alors voilà, c'est le gros bordel. Okay. Ça, c'est notre partie, ça, c'est la partie de nos colocs. On voit que leur partie est quand même bien plus organisée. Wow. Néanmoins. Ils ont des trucs de riches. Mais attends, pourquoi il y a la Vendée là? C'est qui qui a dit ça? C'est ma tata qui m'a envoyé une carte. Ok. Il a baisé là tous les poteaux vendéens. Ok, enfin, je la connais pas. Mais... bah si, t'es vendeur. Bah non. Bah non, normalement. Bah du coup, je la connais pas. Voilà notre salle de bain, notre belle salle de bain. Trop bien. Voilà. Elle fait vraiment style Harlem, la salle de bain. Tu vois. C'est dingue. Alors là, il y a la chambre des colocataires, mais nous n'allons pas ouais, bah, non, rentrer, bien évidemment. Non, t'inquiète.
Ça reste une chambre. Restons notre chambre. Le lit, on vient de sortir du lit, alors il n'est pas fait. Ok, ouais. Regarde, faut que je vous montre ça, ça c'est le doudou. Wow, ma femme, t'es mal horreur. On dirait un truc des films d'horreur. Exactement. On dirait les. Ça fait, torture, ça, là, ça fait 7 ans. Des aigus. Je te jure. Et pourquoi elle a une jambe en moins? C'est pour ça que je fais jamais malin avec ma femme, parce qu'à tout moment elle peut me. Mais pourquoi elle a une jambe en moins? Non mais gros, y'a plus rien qui va. C'est quoi, on sait pas, mais ça se trouve, il y a un putain d'esprit là-dedans. Là. Attends, c'est quoi, je vais t'envoyer Je vais t'envoyer une photo du truc à quoi il ressemble de base. Tu vas voir. Et puis voilà, bon alors on dort très très mal, je vous explique pourquoi. Regarde l'isolation des Américains. Okay. Regarde leur système d'isolation. Je te montre. Tu vois ce truc là? C'est du plastique, frère. Regarde, je mets mon doigt là, tu sens l'air là. Je mets là on est dehors. Là je suis dehors, frère. Vas-y, tiens, filme, on voit mon doigt dehors. Ouais. C'est coucou. Bonne isolation de culture. Ça vaut pas. Arrête, t'es complètement écouté. Dis-moi, il y a mon cousin, il est venu, il a pété son crâne. Voilà, donc du coup. Ma petite ville chez moi, Harlem, okay. Dans le Banks. Et alors c'est marrant parce que tu vois, là c'est mal isolé, on entend toutes les voitures. Le matin, t'as un clochard qui vient mettre sa musique juste ici. La semaine dernière, tu vois, ils ont refait la route ici. Donc il y avait les mecs avec le marteau piqueur, c'était une horreur. Ah ouais, les neuf. Les gars qui klaxonnent la nuit. Hier, il y a eu une bagarre. Mais non, pas hier. Non, c'était la semaine dernière. Je dis des bêtises. La semaine dernière, grosse baston de l'autre côté, là, juste en bas de chez moi. Est-ce que tu pouvais voir de ta fenêtre? Ah ouais, j'ai filmé. Oh, purée, trop bien. J'ai filmé, je t'envoie les rushs. Ah, let's go. Baston de meuf, gros. Ils sont enlevés les perruques et tout. ça se balançait des pierres, tout ça. Je surveille. Ils savent qu'on est dangereux. Voilà, la police bien représentative de New York. Allez, même la police, ils sont tels ici. Ils s'en va tellement les. Décathlon Mondeville, les gars. Faut y aller. Ah mais attends, il a marqué mon numéro. Ouais. Ok. Ah ouais. Et je suis content parce qu'ils m'ont bien accompagné en tous ces jours. Allez, maintenant, il va falloir sortir les lovés, les gars, des Décathlon. C'est bien beau de me passer du matériel. De toute façon, vu l'ampleur de la chaîne, c'est sûr qu'il y a la vidéo, donc t'inquiète pas. Ok. L'équipe au complet. Pourquoi elle s'habille comme ça? Pourquoi? J'ai froid. En vrai, vous avez froid. Non. Et regarde vous l'équipe. Deux Belges et deux Normands qui courent dans Harlem, on aura tout vu. Vas-y, vas-y. Oh, il est chaud. Mais non, regardez-le, regardez-le. C'est lui le roi du monde. Bon, bon. C'est vraiment son quartier. Non, arrête, fais pas ça, c'est bizarre. Hâte de faire ça, c'est bizarre. Ok, monsieur. 1, 2, 3, normalement c'est les gens bourrés qui font ça. C'est les gens bourrés, là c'est le matin, il est même pas bourré, il fait ça. Il a dit quoi, monsieur, c'est ici qu'il vient acheter tout le désap. Ouais, t'es ouf. Il fait gros. T'es malade. T'es mort, ouais, je m'abandonne pas. Le bâton, il est à rendre ou il est à donner, là? Il est dans un seau. Thank you.
Redis-nous tout là, c'est quoi le programme, c'est quoi le... Là, on va faire un petit entraînement à WTF. Ok. Après on va aller manger un truc. Après avoir mangé, je pense j'ai des coachings à donner, donc on va aller donner les coachings. Ouais. Après je dois rejoindre Thibaut aussi. Ah oui, c'est vrai. Et puis voilà, après c'est fini, ma journée est finie. Demain il y a sparring, donc je vais pas forcer non plus pour aujourd'hui. Ouais. J'ai un gros sparring demain. Donc là c'était petit réveil musculaire avant l'entraînement en fait. Les gars, je vous emmène avec moi aux États-Unis, à New York, dans exactement. La plus belle salle de saut. Oh oui. What the fuck. Eh oui. Alors, le nom porte la confusion, mais c'est War Train Fight. Une des plus belles, une des meilleures salles de New York. Le saut. Un truc qui s'appelle le Huracan. Okay. Trois carpasses, mon gars. Trois carpasses. Il sait pas que tu vas faire un Huracan. Le coup de poing le plus rapide du monde, les gars. Quand tu te mets trois carpasses. Toujours de trois carpasses. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Ça, mon ami, quand le gars il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça. C'est ça. Hi. Allez, on est sérieux maintenant.
Là, on retrouve Baptiste après l'entraînement. Il est avec Thibaut, que l'on fera après. Hello! Ça vaut quoi? Tu t'es changé? Je vois t'as pas changé de pull, c'est pas assez fort, mais c'est pas grave. J'en ai trois comme ça. Au calme, au calme, au calme. dis-nous ce qu'on fait après là, parce qu'on a après l'entraînement. Après, on va aller manger, je pense. Là, j'ai la dalle. Ouais, ça marche. Il y a le poteau, il y a le poteau Thibaut qui nous a rejoint. Bon, et Normand, vous avez vu ça? Ouais. Normand en force, les gars. Ah, mais t'es Normand aussi? Ah ouais, il y a du monde de patelin, les gars. Dans mon département, on doit être 10 000 habitants et lui, il vient du même département que moi. Tu vois la dinguerie, gros? C'est dinguerie. Le monde est petit, vraiment. Le monde est petit. Vas-y, carré, bah, on se retrouve à manger alors. Ouais. La banlieue du sud de Californie, un peu derrière Los Angeles. C'est le ghetto, c'est quand même bien. Ouais, j'arrive déjà, mon sol blanc, tu es tranché, en train de tranquer. J'ai trop moche pour monter les paris. Ok, regardez qui nous a rejoint. Il est toujours là, c'est sa ville, sa maison. Ok, on est parti manger au Jamaïcain. Qu'est-ce que t'as pris On part sur un petit goat curry. Excellent, pas spicy celui-là. Ok, ça me donne pas. Moi, pour moi, jerk chicken, ça bouge pas. Rice and beans, mac and cheese. C'est quoi dans la cuisine? Curry goat, c'est la base. Tu vas chez les Jamaïcains, t'es obligé de faire ça. C'est quoi curry goat? Curry goat, c'est si tu veux, c'est de la du mouton au curry. C'est une spécialité de la Jamaïque en fait. Ils font ça au top. Excellent, pas mal. Et toi, Baptiste, dis-nous tout. Alors moi, c'est vraisemblablement de la queue de bœuf. Parce que j'ai pu comprendre. C'est ce qu'on appelle de la oxtail. De la oxtail, de la queue. C'est un gamin. Ok, ok. Et dis-nous. On va où après là? Après, j'ai deux coachings à donner. C'était chaud à me suivre, on est parti. Let's go, moi j'ai dit je te suivais du matin au soir. On va dans le Upper East Side. On va entraîner la petite Léna. Bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis avec Thibaut, mais Thibaut je voulais même pas présenter en fait. Il a pop-up comme ça dans la vidéo. Thibaut, présente-toi en quelques mots. Salut les gars, moi c'est Thibaut Véral, j'ai 21 ans et j'habite à Los Angeles et j'ai commencé la boxe à Los Angeles depuis un an tout juste maintenant. Ok, voilà, donc du coup, c'est le truc, c'est que nous, on est à New York, toi, tu es à LA. Explique-nous un peu comment la connexion s'est faite et ouais, comment tu es arrivé dans le monde de la boxe et comment déjà même tu es arrivé à Los Angeles. Ok. Un peu. Alors, de base, je ne suis pas du tout venu pour la boxe, pour tous ceux qui demandent. Moi, je suis venu pour juste parler anglais. J'ai réussi à trouver une association, je suis au pair en gros, c'est Nani dans une famille à Los Angeles. Je suis tombé dans la boxe, j'ai fait une vidéo TikTok. Ça a pris où je faisais des sparring, j'en ai fait plusieurs, ça prenait. Et il s'avère qu'il y a d'autres Français qui sont arrivés sur New York, ils ont fait des vidéos aussi. Et les gens, ils ont commencé à taguer moi et Baptiste. Plus, pour me dire, ouais, il faut que vous combattez ensemble, comme si New York et LA, c'était côte à côte. Grave. Et du coup, je lui ai envoyé un message et il est normand comme moi. Coïncidence. Puis après, il y a tout le monde qui est arrivé. C'est fou en vrai. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ah, c'est marrant. Là. Les Normands ont du talent. Alors là, ça fait 4 jours que je suis à New York et je pars ce soir. Ok, donc tu es vraiment venu un petit peu. Touriste. Toi qui as commencé la boxe à LA, tu as vu les salles là-bas. Ça fait que 4 jours que tu es à New York. Ouais. Tu t'es même pas entraîné, tu as juste été dans les salles vite fait. Tu n'as pas forcément vu les sparring. Mais par rapport à l'expérience que tu as ici et celle que tu as à LA, c'est quoi pour toi la différence si tu en vois une entre la boxe Bah, je dirais justement, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas trop de différence. Après, j'ai pas boxé, donc c'est ça, le truc. Je suis blessé, donc je peux pas. Mais non, tout ce que j'ai vu, c'est la même mindset, même mentalité ici. Donc, la même énergie aussi un peu. Ouais, la vibe. Après, je pense que vous avez du trash talk et tout. Je vois sur vos vidéos tout ça. Là, je vois, ça parle après, beaucoup. Ça dépend de qui tu boxes, tu vois, mais il y en a pas mal qui utilisent ça, tu vois. Ouais. Même autour du ring, tout ça, tu sais, c'est la jungle. C'est pareil. Ça crie, c'est cool. Tes ambitions pour la suite, j'imagine que tu ne vas pas rester toute ta vie à LA. Si tu rentres en France, est-ce que tu comptes continuer à la boxe? Est-ce que c'est juste un loisir? Est-ce que tu comptes faire des combats? Est-ce que là, il faut le rappeler, mais tu n'as pas de combat. En fait, tu as commencé la boxe il y a quelques mois. Quoi. Dis-nous tout un peu, la suite par rapport à la boxe, c'est comment? Moi, il faut savoir que c'est que du plaisir. Je suis tombé dedans comme ça. Et en fait, avec les gens qui me donnent de la force sur TikTok et tout, et qui me font... croire ou je sais pas ou espérer que je suis bon, bah ça me fait croire, ça me fait réaliser peut-être bon. Que moi j'ai vu tes vidéos pour ouais, un rookie quoi franchement, des petites bases du coup ça me fait donner de la puissance, tu vois ce que je veux dire.
Du coup, non, mais c'est bien. Du coup, je pense, pourquoi pas continuer? Je vais voir, je vais rentrer en France, je vais me lancer dans les combats à fond là. Ouais, tu sais s'il y a un club déjà à côté de chez toi ou t'en as aucune idée? Non, moi je vais sur Paris, donc les gars, Ok, envoyez vos CV. En vrai, ouais. Ouais, non, mais ouais, non, mais je verrai bien. J'ai envie de. Le truc, c'est que vous me dites tous que les clubs en France, associatifs, tout ça, j'aimerais bien trouver un truc quand même pas mal ouvert, si c'est possible, Ouais, malheureusement. bah, je pense que ça va être le plus gros choc pour toi, c'est à ce niveau-là, tu vois. Ici, les salles, elles sont. En fait, ici, les salles, c'est une entreprise, c'est un business, tu vois, alors que là-bas, c'est des associations. Donc, c'est pas la même dispo, c'est pas les mêmes infrastructures. Les gens là-bas, c'est des bénévoles. Donc, forcément, il n'y a pas le même entrain, un coach bénévole et un coach qui est payé, tu Eh vois. ben, nous. Ce qui est normal en vrai. Donc, je pense que c'est surtout à ce niveau-là que ça va te faire un choc. Mais Je bon, me prends une après, claque. J'ai commencé là. tu verras bien. Ouais, mais après, je pense que c'est Ouais, je bien suis content. l'expérience que tu as pu avoir et c'est bien que tu aies commencé par ça, tu vois. Et du coup, tu rentres quand? Je rentre le 12 juin en France. Ok. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Bon, ben, on va suivre ça de près. En tout cas, je mettrai tes réseaux dans la vidéo. Et C'est puis, la force. vas-y, hein. Ça me parle à fond. Ils ont ton Baptiste après le restaurant. Il Ouais, a fait une petite sieste. Il est venu. les gars ici, on est dans l'Upper East Side. Je te laisse voir ce bel hôtel, enfin ce bel immeuble. Incroyable. Et aujourd'hui, on va coacher Léna qui est un peu timide, qui a peur. Regarde. Mais non, Léna, Léna. et pourtant, on a l'habitude, hein. C'est pas la première fois qu'elle apparaît sur YouTube. Léna, un peu du tout. Oh, mais Léna parle français. Elle parle français, Elle est t'as vu ou française. quoi? Waouh, Elle parle mille dingo. langues différentes. Mille langues, bien sûr. Dont toujours dans la bête. Dont l'ouzbek. C'est cool que tu enlèves ce pull sinon. Écoute, tu l'as quand même. J'en ai acheté 8, je t'ai dit, de ce coup-là. Et voilà, bienvenue dans la salle de sport. Let's go! Yes. Là, faut que tu écoutes ton nom. Ok, bah tiens. Tu m'as donné la batterie ou pas? Ah oui, c'est réchauffant. Et ouais, mec. Dingue, attends, je le filme. Waouh. Bah, regarde. Regardez. Et, à New York, t'es obligé d'avoir ça. Non, c'est terrible. C'est chaud. Vas-y, bah, si, je suis sûr qu'elle si. Ah, je suis fatigué. Oh, oh, oh. Ça chale, il aurait pas été. Non. Les gars, attendez, moi, je fais une présentation aussi. Les gars. Putain, merde. Si je vous présente Léna, Léna c'est la best élève, c'est l'élève numéro 1 au podium. Oh là, comment Pour je la. t'aurais détesté Pour. en cours. Non, pour l'instant, elle est devant Slim et devant Sacha. Quoique Sacha il commence à. Ah, mais tu parles en cours Ça de fait boxe, hein, je suis con, je sais pas tu parles en cours. Slim c'est le sang aussi, mais vas-y Léna, Léna c'est une histoire. Je t'ai hébergé chez vous. C'est ma première élève, tu vois. Ok. Je vais pas mettre Slim et ni Sacha pour l'instant. Bon, on va commencer à s'entraîner, hein, toutes les dames. Est-ce que t'es prête? Elle est prête? Allez, c'est parti. On va se faire la nuque. Et devant. Eh, mais devant. non. Ouais, je me dirais toute la démo de Camping Paradis, là. Ok, t'es prête? Milieu en l'air, côté, c'est parti. Milieu. En vrai, côté. Milieu. Côté. Voilà. Voilà. Tu vas faire un pas de côté. Yes. 3. 1. Attention. Attention. Voilà, autre le corps. Remets-toi en garde derrière. Donc j'ai fini. Bouge ton buste. Immobile du buste. Baptiste Jackson. Baptiste Jackson en personne. Pas à 10h. On se retrouve avec Baptiste Cheval, a.k.a. Chevalier, a.k.a. Centaure, a.k.a. dis-nous tout, l'homme cheval. On t'a suivi pendant une journée. On finit par l'interview pour en apprendre un peu plus sur toi. On a vu que tu étais à New York, on a vu que tu t'entraînais dur, on a vu que tu mangeais bien, on a vu que tu parlais pas très bien anglais, on a vu beaucoup de choses sur toi. Maintenant, dis-nous le reste. Écoutez, moi c'est Baptiste Cheval, boxeur français, comme l'a très bien résumé Bastien. Je suis venu ici à New York pour rechercher vraiment le plus haut niveau en fait, chercher les meilleurs boxeurs, venir dans un pays différent, histoire de voilà, sortir de ma zone de confort. Et c'est ce que j'ai trouvé, j'ai fait des super rencontres, j'ai rencontré Bastien, Fred, et en même temps, voilà, j'ai pu me frotter au gros level, au plus haut niveau mondial. Donc, je suis super content. En France, c'était compliqué, j'avais pas d'entraîneur. La boxe amateur, j'en avais un peu marre. Tu nous as pas dit ton âge? J'ai 25 ans. Ok. Pourquoi la boxe et depuis quand? Pourquoi la boxe? La boxe, c'est jamais un sport qui m'a attiré. Quand j'étais gamin, ah ouais bon, ouais, j'étais pas très sportif, hein. Mais j'ai fait un peu de foot.
Et je me battais souvent à l'école en fait. Je me battais souvent à l'école, je me battais souvent au collège. Ça fait jouer là-dessus. Voilà, j'ai énormément d'énergie. Ouais. Moi, mon nom de famille, Cheval. T'imagines que c'était compliqué à l'école. Non, ce serait pas aimé. Ah, non, c'est on possible. Serait sûrement battu. C'est probable. Mais voilà, en fait, on se moquait de moi, je me battais. Enfin, voilà, c'était ça. Et mon père en a eu marre. Il a dit, bon, bah, c'est bon, Baptiste, on va te mettre à la boxe. Et j'ai commencé la boxe, j'avais 12 ans. T'as commencé la boxe anglaise direct? La boxe anglaise direct, ouais. Okay. En fait, j'avais joué dans un petit coin en Normandie. Mm-hmm. Et il y a un club de boxe, le passage obligé pour tous les gamins du village. Okay. Et donc du coup, ouais, je suis allé à Condé-sur-Noireau, dans la salle d'Alain Robe. Et il y avait deux entraînements dans la semaine, je me souviens, le mardi, le jeudi. On montait nos sacs nous-mêmes, c'est nous qui montions le ring. C'était vraiment à l'ancienne, quoi, tu vois. C'est dans un gymnase. J'ai connu, ouais. Et voilà, donc c'était des entraînements un peu à l'arrache, un peu à l'ancienne, mais c'était cool. C'est là que j'ai progressé. C'est bien pour commencer. Ouais, 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 c'est vraiment pas mal. Et après, je suis allé faire mes études sur Caen. Donc, la grande ville de la Normandie. Caen, la ville d'Orelsan. Exactement. Est-ce que tu l'as déjà vu, Orelsan? Ouais, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais ouais. Non, sérieux? Ouais. Est-ce que, genre, si demain on parle de toi, Orelsan, il s'est quitté? Ah non. Ouais. Non, non, non. Au début, j'aimais pas. Hein. Au début, c'était dur, forcément, suer, prendre des coups, ouais. Voilà quoi. Je suis rentré, j'avais le nez plein de sang. Mm. Et puis, j'ai des amis à moi qui m'ont rejoint là-bas. Et du coup, j'ai pris goût, on a kiffé. Ok, allô? Voilà. Ton palmarès amateur. Palmarès amateur, j'ai presque 40 combats, je crois. Ouais, j'ai 35 combats, je crois. Non, on est plus ou moins pareil. J'ai gagné, gagné 2-3 ceintures. Ceinture des Vikings, mm-hmm. Ceinture de Dunkerque. Ceinture de Dunkerque, bon, ça, voilà. Mais si, il faut pas la. Faut pas la... Non, bien sûr, on néglige aucune ceinture. Ouais, Jack Shepens. Ah, j'ai gagné plusieurs tournois, le tournoi des Volcans, j'ai gagné plusieurs fois le titre de champion de Normandie. Je suis allé deux fois en demi-finale des France. Donc ouais, j'ai plusieurs titres et puis mais j'en avais marre, en fait c'est toujours la même chose, tu vois. Je fais les championnats de France, je fais les championnats régionaux, après les championnats de France. C'est quelle catégorie toi? Moi de base je suis en moins de 69, mm-hmm. Le confinement il m'a fait grossir, je suis monté en 75. Okay. Là ils ont supprimé la 69. C'est maintenant. 71 maintenant je crois. 71 ouais. Et il y a toujours 75? Non, ouais il y a 75 mais c'est plus une catégorie olympique. Okay. Moi je visais les JO, ouais. Mais le truc c'est que du coup… En 71 en plus il y a du monde, enfin même en 75, ouais, 69 c'est la catégorie il y a le plus de monde. Ouais mais ils ont supprimé, ils ont laissé que les 80 et les 71. Je trouve ça un peu débile. Putain, je trouve ça grave débile. Ouais. Comme ils ont supprimé 60 kilos, tu passes de 57 à 63,5, tu vois, c'est… J'ai pas compris leur délire. Moi non plus, je pense que personne n'a compris. Mm-hmm. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a mené de Condé-sur-Noireau à New York? Ça, c'est pas commun, je pense. Ça, c'est sûr. Donc, pourquoi New York? Comment ça t'est venu? Comment t'as pu arriver ici? Grâce à qui? Tu vois, ça fait rêver, New York. Même sans parler de boxe. Ouais, nous en France, on est des bandeurs des ricains, tu vois. Je veux dire, et puis les séries, les films, tu baignes dans l'influence américaine tout le temps. Mm-hmm. Et moi, je voulais voir ça de mes propres yeux, tu vois. Ouais. Ça a toujours été un rêve. Et en plus, par rapport à la boxe aussi, de toute façon, ils sont en avant sur tout, les Américains. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, il faudrait que j'y aille un jour. Pourquoi pas, c'était un rêve que j'avais. Mm-hmm. Et quand on m'a proposé de passer professionnel, du coup. Je me suis dit, quitte à passer professionnel, autant se donner les moyens à 100%. Et donc du coup, j'ai démarché des sponsors, j'ai travaillé, j'ai mis des sous de côté. Et je me suis envolé pour les USA, à New York, où j'ai rejoint Fred et Bastien. De Boxing Culture, pour ceux qui veulent savoir. Ils organisent des stages pour les boxeurs confirmés ou débutants, même des passionnés. Et là, j'ai fait un combat récemment. Suite à mon dernier combat, il y a un promoteur, manager qui va ouvrir sa salle sur Caen, qui s'appelle Maxime Bossier, qui est un très très grand combattant. On le connaît, ouais. Voilà, qui était champion d'Europe, qui m'a proposé, qui a dit qu'il voulait travailler avec moi, il veut me monter ma carrière en professionnel. Il a dit qu'il adorait ma boxe, il a dit qu'il m'aimait bien, c'est cool, on se connaît bien avec Maxime, donc voilà. Et il m'a proposé de passer professionnel avec lui, dans son écurie, à Caen. Ce à quoi j'ai dit ok. Par contre, si je passe professionnel, c'est fini, s'entraîner tout seul à l'arrache, tu vois. Mm-hmm. Sans coach, sans machin, sans truc. Ah ouais. Non, je voulais me faire vraiment une expérience pour me professionnaliser. Moi, je suis quelqu'un de très… Je boxe à l'instinct, dans la vie de tous les jours, tu vois. Je n'ai pas envie de m'entraîner. Bah, je ne vais pas m'entraîner, je m'entraînerai le lendemain. Ah ouais, là, j'ai besoin de cadre, tu vois. De cadre, de dureté.
Ouais, il faut que tu passes en mode travail. Professionnel. Quoi. C'est plus un loisir, c'est plus un passe-temps, c'est un C'est ça, c'est de la boxe professionnelle. Donc le terme, voilà, c'est de se professionnaliser. Et c'est ce que je fais ici, tu vois. Donc là, le but, c'est de, quand je rentre en France, garder ce rythme que j'ai ici. Ouais. Et puis avec Maxime, on va travailler ensemble. Et lui, il a déjà tout ce mindset, toute cette mentalité aussi. C'est bien, quoi, que vous soyez en accord là-dessus. C'est génial. Et donc, du coup, je ferai mon premier combat pro avec lui. Okay. Il y a des grandes possibilités que je le fasse au Palais des Sports de Caen, une toute nouvelle salle. Donc ça va être trop bien pour un premier fight. Ouais, fort. Comment tu t'es adapté à la vie à New York? Là, on est quoi? On est le 20 novembre, je crois. T'es arrivé quand à New York? Je suis arrivé le tout début septembre, je ne sais plus la date exacte. Okay, donc quand moi j'étais en France pour voir la famille. Big up à ma famille. Big up à la mienne aussi. C'est important. Ok, donc ça fait quand même 2 mois et demi genre que t'es là à peu près. Ouais, 2 mois et demi. Dis-nous un peu comment s'est passée l'adaptation. Alors le début de jet lag, forcément, c'était un peu compliqué. Mes premières semaines, j'ai fait quoi? J'ai fait juste le touriste. En tout cas, visiblement, t'as toujours pas appris l'anglais parce que t'as dit jet lag. Jet lag, c'est les jambes ça. Mon anglais s'est un peu amélioré, mais c'est vrai que voilà. Je le comprends, mais je le parle pas si bien que ça, c'est dommage. Mais ça va venir encore un peu. La première semaine, on a fait des touristes avant de commencer vraiment l'entraînement avec ma femme, parce que je suis venu avec ma femme. Ouais. Et voilà, on a visité, on a pris nos repères. Semaine d'après, voilà, on a commencé l'entraînement. C'était 2 entraînements par jour. Ça le faisait au début et après. Tu t'entraînais déjà en France 2 entraînements par jour ou pas? Ça m'arrivait de temps en temps. Ouais. En prépa, ça m'arrivait, mais c'était très rare. Okay. Et là, c'était tout seul en fait que je le faisais en France. Oui. Donc j'avais pas. Là, c'était pas avec un coach qui était là, qui me suivait. Puis en plus, t'es à New York, donc tu veux bien faire encore mieux. Ouais, exactement. Donc ça, j'avais ce rythme-là, 2 entraînements par jour pendant une semaine, 2 semaines. Et après, on a commencé les gros sparring durs. Donc là, c'était pas possible, tu vois, 2 entraînements avec des sparring. Ouais. Donc je faisais sparring, le lendemain je faisais de la prépa physique, sparring, le lendemain prépa physique. Et au bout d'un moment, c'était même tellement dur physiquement, je faisais sparring, repos, sparring, repos. C'est ça, tu vois, au bout d'un moment, il faut être intelligent sur l'entraînement. Il faut pas oublier un truc, c'est que l'entraînement doit être rentable, tu vois. Donc si tu fais du surentraînement, tu t'entraînes fatigué, des sparring trop lourds, tu peux prendre des coups, c'est pas ouf. Donc non, c'est bien, c'est pour ça que tu es bien encadré avec Fred en plus. C'est ça. Et en fait il faut, en fait, le plus important, c'est d'être à 100% les jours de sparring. Parce que si t'es à 80% ou 70% parce que t'as trop poussé. Ouais. Et bah, le plus important en boxe, ça reste quand même boxer. Bien sûr. Donc moi je privilégie vraiment les sparring, donc je suis en un jour de repos total souvent en tout T'as cas. Raison, Parce que les sparring au Cops and Kids, c'est pas pour rigoler, hein. C'est les mecs qui veulent s'ils peuvent te descendre, c'est pire que des combats. Hein, Les mecs qui peuvent te descendre, ils te descendront. Donc, surtout qu'en plus en combat, le mec il a ton poids là-bas, ils sont pas forcément à ton poids. Non, ça y est, je commence à avoir mes habitudes. C'est compliqué au début quand tu vas faire tes courses. Parce que t'as pas, vu, c'est une galère. Hein. Ah ouais, c'est l'horreur. T'as pas de crème fraîche. Ils ont une alimentation bizarre. Moi maintenant, tu vois, ça fait 1 an que je suis là, je m'y suis habitué, je m'y retrouve. Mais au début, putain, je capte rien, même au niveau des prix, tu sais, il y a toujours marqué 2 prix. C'est ça. Les taxes, pas de taxes. C'est... Tout est bourré de sucre, est bourré de gras. Maintenant, ça y est, je commence à avoir mes habitudes alimentaires. Je sais ce que je prends en course, machin. Après, la vie new-yorkaise, elle est très, très, très fatigante. Hein. Franchement, t'enchaînes les coachings, tu vas t'entraîner, tu vas te taper dessus, tu vas machin. De toute façon, on va le voir dans la vidéo, on t'a suivi pendant une journée, mais c'est. Non. Et en fait, ici, si tu t'arrêtes… Là, j'ai une tête, les gars, regardez ma tête de zombie. Tu vois, c'est ça. Si tu t'arrêtes ici, tu fais pas d'argent. Et si tu fais pas d'argent, mec, la vie est tellement chère que c'est fini pour toi. Moi, je pensais que j'avais coffré assez avant de venir. Non, ça part tout seul. C'est chaud. Des tentations partout. Il y a plein de trucs nouveaux, tu veux tester, tu te dis vas-y, je suis là longtemps, mais pas trop longtemps non plus, je vais repartir, j'ai envie de tester ça. Ça va trop vite, tu vois. C'est une vie à 100 à l'heure. Mais bon, je pense qu'on a l'âge pour le faire. Franchement, les gars, faut tenter l'expérience. Hein. On est jeune. Là, on kiffe notre vie. On vit à 100 à l'heure. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. C'est ça. Moi, je pense qu'on est à un âge où on a cette chance de se dire vas-y, on tente. Et si ça ne marche pas, en fait, je pense que plus on est jeune, plus on peut s'adapter à n'importe quelle vie, tu vois, à n'importe quel type de situation. Ouais. Et du coup, tu vas partir à l'étranger, tu vas sortir de la zone de confort, tu vas mettre du temps à t'adapter, mais moins de temps que si tu es parti genre 5 ans plus tard déjà. Mmh. Et puis, ça marche.
ça marche pas, mec, tu n'auras pas 100 ans, tu vois. Genre, tu vas, si jamais tu dois revenir en France, tu auras quand même ouais, de quoi t'en sortir, tu vois. Et autant tester, tu n'auras pas ce regret de moi, c'est pour ça que je suis parti, tu vois. Moi, c'est pareil. Je suis parti avec ma femme en plus, tu vois. Donc, ouais, donc c'est possible, tout est possible. Et là, on a reçu de la famille. En fait, du coup, je reçois énormément de famille à la maison. Mmh. On a reçu c'est de la bien, famille. Pense, c'est voilà. Bien. En fait, si on est normand, on n'a pas tous trop beaucoup d'argent dans la famille. On s'est dit, allez, on va faire croquer tout le monde. Cool. Tout le monde vient. On était 8 dans la chambre. la semaine dernière, là, on était 4. On avait un bébé qui était avec nous, tu vois, genre c'est énorme, on vit une expérience de fou. Même si des fois c'est fatigant, mais au final, ça fait plaisir. Ah, mais en vrai, c'est lourd, ça fait des souvenirs de dingue, tu vois. Moi, c'est ce qui me manque ici le plus, on va dire, c'est que je vis une vie de fou, tu vois. Et tout ce que je fais dans la journée, j'aime le faire et je vis des expériences de dingue. Mais j'ai pas les gens les plus proches pour partager ça, tu vois. Et le plus important, c'est de partager ça, je pense, tu vois. Et donc, toi, tu as la chance de faire ça. Donc, en vrai, c'est. Même si c'est fatigant, c'est quand même tout bénef, tu vois. Exactement. Là, dans 2 semaines, je rentre. Je pourrais raconter tout ça, quoi. Pff, c'est fou, il s'est passé tellement de choses. Et puis, t'as pris un niveau, je pense, de fou. Et ah ouais, ça en va boxe, te servir ouais. Pour toute ta carrière. Et sur tous les points, tu vois. Il n'y a pas que la boxe. Hein. Ça, tu sais, pour les mecs qui sont pas très débrouillards, qui sont pas. Tu t'arrives ici, t'es obligé, en fait. Mec, c'est une expérience tout, de vie, ça tu vois. Tout c'est sur le monde, en fait. C'est un autre truc de que malade. La boxe, tu vois. Ça te met des points partout, en fait. Tu vois. C'est un truc de fou. Ça t'apprend à t'organiser, à te discipliner, mm-hmm. À t'ouvrir aux gens, à parler. Parce que de toute façon, c'est simple, hein. Les introvertis, tout ça, ils sont obligés de s'ouvrir au bout d'un moment. Moi, j'étais un grand introverti. Ouais, bah tiens, l'exemple typique. Regardez ses premières vidéos sur TikTok, allez-y, vous allez voir. Maintenant, regardez, vous avez vu comment il est à l'aise devant la caméra? C'est ouf. Les gars, est-ce que c'est ma caméra? Les gars, c'est une expérience de fou. Il faut investir sur soi-même, même si, allez, ça va coûter cher. Hein. Tu vas coffrer 6 mois, 1 an. Et ouais, mais c'est un investissement. Moi, ce que j'ai fait, tu vois. Je le regretterai pas. Ah, même si là j'ai une tête de zombie, les gars, que je suis fatigué de ouf. On est tous fatigués. C'est des camps d'entraînement, ils fatiguent. Ah, oui. Mais je suis un peu malade en plus. Les gars, c'est trop, c'est énorme. New York, c'est quelque chose, c'est énorme. C'est qui ton boxeur, je vais pas dire préféré de New York, mais celui qui t'a le plus choqué, le plus impressionné, bon, mis à part moi évidemment, ce serait lequel, tu vois. Du coup, bah, c'est mon sparring Ismaël Villarreal. Ismaël Villarreal, je veux dire okay. Pourquoi. Ce mec-là, personne donnait une pièce sur ce gars-là. Il devait affronter un Irlandais, c'était le chouchou de Dana White. Mm-hmm. C'était la petite pépite, ouais. Le mec plein de followers, qui est là, c'est une pépite en gros, tu vois. Il star, que, ouais. Que des victoires par KO, c'est une star le mec. Et ils ont appelé Ismaël, donc un boxeur d'ici, pour un combat. Ismaël qui sait pas trop se vendre, il a 1000 abonnés sur Insta, tu vois. Ouais, tu vois. Et en fait, les gens, ils croyaient qu'il allait se prendre une branlée, tu vois. Mm-hmm. Ils voyaient les highlights de l'autre, ils disaient, ouais. Il va se faire tuer. Et il a boxé en main event au Madison Square Garden. Et il a boxé au main event au Madison Square Garden, et en fait, ils m'ont appelé parce que je correspondais au profil de son adversaire. T'es gaucher, donc, ouais. Donc c'est grâce à moi, gaucher, les gars. Gaucher, grand. Ouais, gaucher, grand, voilà. Mm-hmm. Peut-être d'Irlandais, peut-être aussi, je sais pas. Et donc du coup, ils m'ont appelé pour être son sparring partenaire principal. Donc j'y étais, machin, nana. On a fait 3 semaines où on s'est entraîné ensemble. Et il lui a fait du sale. Enfin, le combat était serré quand même, mais je veux dire, il a surpris tout le monde. Grave, tout le monde. Les gens me disaient, mais il va se prendre une branlée. Il l'a down au moins 2-3 fois. Ouais. Sparring, je sentais déjà qu'il était puissant. Mm-hmm. Je l'avais dit à tout le monde, personne ne me croyait. Je dis, les gars, en sparring, quand il t'attrape, mais gros, t'as intérêt de serrer les abdos. Hein. Parce qu'il fait mal, hein. Ouais. Et il me dit, ouais, tu vas voir. Bah tiens, bah, on a vu. Sinon, en termes de level, vraiment le plus haut niveau que j'ai mis, c'était Jai, gros. Franchement, il y avait Richardson. Ichin, ouais. Il est très très bon, ouais. Mais il est pas dans ma catégorie de poids. Donc, il est plus léger. Voilà, il est un peu plus léger. Jai, il est dans ma catégorie de poids. Parce qu'en fait, quand je l'ai sparé, j'ai fait une belle preste avec lui. Hein. Tu vois, j'ai fait un bon sparring. Mais quand je l'ai sparé, lui, il avait déjà 5 rounds dans les pattes. Tu vois, et à fond. Et hop, moi je rentre, il était fatigué. Et il m'a vraiment Jai, c'est waouh. Et je le connaissais pas plus que ça, en fait. Je le connaissais par Isma qui postait des trucs et tout. Et moi, je l'avais boxé la première fois que j'étais venu à New York, tu vois. Et ouais, c'était un boxeur de dingue. Ah ouais, et il faisait des trucs bizarres, c'est pour ça que ça m'a un peu déconcerté. Ouais. Il faisait des trucs, et tu vois, quand il a sparé avec des mecs qui préparent les Jeux Olympiques et tout, là, il leur mettait des branlés, le mec. Des branlés, quoi, waouh. Ouais. Et lui, il m'a choqué, Richardson, bien sûr, qui m'a choqué. Colbert, très très bon boxeur aussi. Ouais. Il n'y a que des tueurs, en fait, il n'y a que des tueurs, gros. Ils ont chacun leur spécificité. Que tu progresses, tu vois. Ouais. C'est ça qui est et bien. Un petit gamin aussi, là, comment il s'appelle, le gamin de Williamsburg, là. Que j'ai vu sparer. Celui que je spare beaucoup aussi, Chris.
Chris, ouais. Chris. Enfin, en fait, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on l'appelle tous comme ça. Ça va être une star, lui. Ouais. Il est très bon, ouais. Les gars, c'est trop ici, c'est trop. Comme je l'ai dit, en France, on a des putains de pépites incroyables aussi. On a des super bons boxeurs. Ce problème, c'est qu'il n'y a pas de mise en avant de la boxe et que c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas tous les trucs. Non, c'est sûr. Viens, Léna. Non, mais t'inquiète, je vais couper après. Viens. Les gars, je vous présente mon élève préféré, c'est Léna. Non, je ne coupe pas ma tête. Si, c'est trop tard, c'est trop tard. De toute façon, t'inquiète, on t'aura déjà vu avant. Slim, Sacha, je suis désolé. Mot de la fin, c'est quoi la suite pour toi? Tu reviens quand en France et qu'est-ce qui va se passer une fois que tu es en France? Est-ce que tu comptes revenir à New York? Dis-nous tout. Ouais, moi je compte revenir à New York. Je repars le 2 décembre, comme j'ai dit tout à l'heure. Okay. Je repars le 2 décembre en France. Maxime va me trouver des combats normalement. Mm-hmm. Et plus celui au Palais des Sports au mois de mars. Mais là, faut que je me refasse financièrement. Là. Mm. Je me refais financièrement et je reviens dès que je peux. Tu vois. Je reviens dès que je peux, c'est là que je me sens mieux en fait, tu vois. Mais du coup, tu comptes utiliser New York comme une préparation avant tes combats? C'est ça. Okay. C'est, tu vois, je reviendrai avant chaque gros combat, j'irai au Cops and Kids, mm-hmm. dans le four, tu vois. Ouais, c'est la salle de l'esprit du temps et pa. Et après, je retourne en France, fight, on leur casse la gueule. Et, imagine, je rentre en France, je me fais broyer pour mes combats. Gars, après, c'est la boxe, hein, tout se joue à un coup. Donc, tu vois, on a beau être le plus préparé. Mec, tu te prends un crochet au bout du menton. T'as des mecs qui font 4 mois de camp et rentrent, le combat dure 30 secondes. Un crochet, tu vois, c'est ça. Donc, mais bon, voilà. C'est ça aussi la beauté du sport, tu vois. C'est ça. On te souhaite que de la force. On te suivra de très près. Et puis voilà, on se retrouvera dans un prochain épisode des francophones à New York. Le premier c'était Baptiste et le prochain ce sera, vous verrez.